Salut JJ, c'est Mouchou, comment allez-vous? Moi je vais bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Uncharted Drake's Fortune pour l'épisode 3 de notre Let's Play. Épisode 3, oui c'est ça. Donc on s'en était arrêté après avoir sauté en parachute, tiens il est juste là, voilà. En parachute de notre avion en flamme, puisqu'on s'était pris des tirs anti-aériens. Étant donné qu'on avait approché de l'île où est potentiellement enterré le trésor d'Eldorado, et donc on a d'autres chasseurs qui sont sur la voie, sur la même voie que nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on n'est plus dans une chasse mais dans une course au trésor, et qui dit course dit danger. Ah oui, c'est sûr que s'il y a un cadenas, ça va pas le faire. Ok, bon, on va le défoncer. Voilà, ça sera mieux. Par contre, du coup, je suis passé en 1080 pixels de graphisme. Graphisme, ouais, de format vidéo avec 30 images par seconde, c'est ce que j'avais dit. Donc vous, si vous voulez voir la différence, n'hésitez pas à revoir l'épisode 2 ou l'épisode 1 pour bien voir la différence de fluidité et de beauté, et vous me direz quelle définition vous préférez, plus de fluidité, plus de beauté. Je vous ai déjà parlé de ça dans mes autres vidéos. La question est toujours en suspens, en plus qu'elle concerne cet épisode de Drake's Fortune et Uncharted 2 et 3 qui arriveront par la suite. Si un jour un truc briller, il va sans dire que c'est un trésor. Ok, amulette de poisson en argent. Ok, ouais, pas mal. Un poisson près du lac, hein. Tout à fait cohérent. Petit lac, petite mare même. Les décors sont toujours aussi sympas, hein. Franchement, j'en avais pas parlé jusqu'à présent. Mais si sur PS3 le jeu était passable, sur PS4, le rendu et enfin la remasterisation a super bien passé. Moi franchement je suis super satisfait des couleurs, parce que c'est vrai que le jeu est très coloré. Alors je sais pas s'ils ont bien géré, ils ont dû bien gérer ça au niveau de l'étalonnage des couleurs, au niveau des contrastes, de la luminosité, mais le résultat est vraiment impressionnant. Et l'immersion est dedans, même si le jeu est trilinéaire, on a vraiment l'impression que c'est un monde de... C'est un monde gigantesque, enfin il y a des détails partout, même dans les arrière-plans, c'est assez intéressant. Par contre il y a pas mal d'aliasing, mais bon ça c'est presque normal, j'ai envie de dire, hein, pour tous les détails qu'il y a dans le jeu. Du coup on arrive ici, on remonte la rivière en fait, en espérant trouver la fichère qui avait sauté de l'avion en feu avant nous, mais qu'on avait perdu de vue. D'ailleurs je sais pas, je pense que Drake s'était évanoui même, puisqu'il s'était réveillé surpris face à une statue. Ouais, je pense qu'il devait être... Je vais vérifier s'il n'y a pas de trésor par ici, hein. Je vais explorer un peu à terre, parce qu'il me semble que la poursuite de la mission se fait dans les airs. Donc on va d'abord explorer le rez-de-chaussée avant de passer aux étages supérieurs, si je puis dire. Donc, tiens, il y a un petit truc par là. Ok, on peut grimper par ici aussi. Mais je ne vois pas de trésor. Pas pour l'instant. Est-ce qu'on peut grimper sur ça? On peut grimper partout, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord, c'est pour revenir à l'endroit où j'étais. On peut grimper partout. On va... Ouais, je vois un truc briller. Et grenouille en or, superbe. Donc voilà, on va repartir par là. Et là, c'est comme si on avait fait quoi, en fait. Ouais, ah, il est passé juste devant la caméra, l'oiseau. Ok, bon, donc on continue par là. Ah oui, d'accord. Oula. Et voilà. Oh, merci, je savais déjà. Du coup, on va faire gaffe. Tiens, celui-là, il prend pas deux balles, il en prend trois pour mourir. J'ai l'impression que les ennemis déjà augmentent leur résistance. Ça va pas être un problème si je reste précis. Ouais, mais là apparemment il n'y avait rien à voir, hein, de ce côté là. Ah, peut-être qu'il y avait un truc à escalader là-bas, je sais pas. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on revient là-bas juste pour voir si on a rien loupé? Bon, après normalement, si on a loupé des trucs, c'est vraiment des trucs, j'ai envie de dire, inutiles, hein, finalement. Ce sont des... Ah bah en fait, non, d'accord, ok. On revient sur... Oui, en fait je pense que c'est pour sauter d'un bout à l'autre, je pense que cette plateforme est là juste pour ça, parce que je vois pas de truc à escalader de... Ouais, non. Ouais, non, en fait, non. Il n'y avait rien d'autre à voir. On retourne vite à l'endroit. En tout cas, en plus de tout le paysage qui est sympa, il y a pas mal de particules. Alors c'est des genres de bestioles en fait. Oui, d'accord, okay, il faut grimper sur ça. Je m'en étais douté, c'était bien apparent. Donc il y a pas mal de bestioles qui apparaissent à l'écran et ça rajoute du réalisme. Oula. Voilà, super.
J'aime bien quand les headshots passent comme ça aussi bien. Surtout quand ils one-shot aussi facilement. Tiens, là ça brille encore, mais ce ne sont pas des trésors, ce sont des grenades en fait. Qui s'ajoutent à mon arsenal. Wow. Ah oui, il faut bien 3 balles, contrairement au... Ça va faire mal. Sauf quand on les met en headshot, ça passe tout seul. Mais sinon, ouais, les ennemis de base sont plus résistants. Pourtant, j'ai pas changé de flingue, hein, j'ai toujours le même. Il est pas moins puissant. Parce qu'il y a des différentes sortes de flingues, autant qu'il y a des différentes sortes d'armes à feu. Mais pour l'instant, évidemment, vu qu'on rencontre les mêmes ennemis, c'est normal qu'on récolte toujours les mêmes armes. Hein. Ils sont équipés chez le même fournisseur, j'imagine. Et on passe... Ok. Oula, il y a des ennemis là encore. Est-ce qu'on peut approcher discrètement? Bon, j'ai jamais réussi à être discret dans un jeu vidéo, sauf dans Assassin's Creed qui nécessite, qui oblige, je dirais, la discrétion, mais dans les jeux autres, genre Mad Max. Voyons voir. Ouf. Red Dead Redemption et maintenant Uncharted, je pense que la discrétion, c'est pas mon fort. C'est pas l'élément principal du jeu. Je pense que je serais terrible à un Splinter Cell ou un. Il y a quoi d'autre? Il y a Metal Gear Solid, je crois que c'est un jeu de discrétion. Allez! Metal Gear Solid et aussi, il y a quoi d'autre de jeu bien connu? Ouais, Hitman. Je crois que, ouais. Ce serait intéressant peut-être les Hitman dans les plays, je sais pas du tout. Je connais pas trop les licences, ouais. Je connais tellement pas de licences que je crois que j'ai jamais joué à un seul Hitman de ma vie. Il est parti. Allez, voilà. On va essayer de se rapprocher. Voilà, tac. Bon, je vous rappelle que j'ai toujours moins de grenades au cas où. On va les préserver pour lorsqu'on aura pas mal d'ennemis à flinguer en même temps. Ah, mince. Dommage, j'ai pas de munitions. Voilà, tac. On va le flanquer. Lui, il arrive à m'atteindre. Ah oui, mais il y a des barils aussi explosés. J'y pense pas à ça, mais. Voilà. Ok, bon, on va avancer un peu. Oh, okay. Pas trop. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis de ce côté-là? Non, j'ai pas l'impression. Donc du coup, on a tout le côté droit pour nous. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait une danse en tirant. Ok. Super, bon. Je le vois. Mince. Wow. Ça arrive d'en haut. Ah oui, d'accord. Il est là. Oh, je l'ai eu en headshot. Attendez, faut que je ramasse des munitions parce que je sens que. Non! Commence à. Bon, attention au baril explosif surtout. Parce qu'ils peuvent faire mal aussi bien aux ennemis qu'à moi. Oh. 250 tirs en pleine tête. Bon, ça passe. Oh, vite, vite, vite! Faut que je recharge la vie. Pire, je lance une grenade pour me faire un tir de couverture. Je vais recharger de la 47. Oh, il est passé avant moi. Merde. Ok. Et de ce côté. Ça arrive. Ah, mais j'ai plus de munitions de la 47 quasiment. Oula, lui, il a un fusil à pompe. Va falloir que je fasse gaffe. Les mecs au fusil à pompe sont plus résistants que les autres. Ils ont des gilets pare-balles ou ils sont plus gros en général. Et ce qui fait que. Hop là, on va se mettre dans un endroit plus confiné. Et ce qui fait qu'ils sont plus durs à tuer, mettent plus de temps. Et du coup, vu qu'ils vous one-shot quasiment à courte distance, le fusil avant, normal, bah. Vous devez prendre soin de les tuer avant qu'ils n'arrivent sur vous. J'ai plus de munitions de flingue du tout. Alors, on va essayer de ramasser ça. Des munitions. Du coup, le fusil à pompe prend office d'arme principale. Du coup, si je le prends maintenant, il va changer la place de la K47. Mais vu que je préfère les. Pour l'instant, du moins. Vu que je préfère. Si on va recharger le flingue, bon, c'est déjà fait. Vu que je préfère les fusils, quoi. Ce sera plus pratique pour l'instant. J'ai pas énormément besoin d'armes de corps à corps. On va rester avec la K47 pour l'instant. Je ramasse un peu tout ce que je peux. Tiens, il y a d'autres munitions de grenades, hein, peut-être qu'on va s'en servir. Mais pas tout de suite, pour l'instant je vois pas l'utilité. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ah, par ici? Peut-être un trésor par là? Non, je sais pas. Ah non, c'était juste un passage secret. Au cas où j'aurais été embêté par
par les gardes, mais bon, je m'en suis plutôt bien sorti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on va devoir grimper sur les machins. Oui, je vois, là. Je pense que ça doit être par là. Je vais juste faire un petit dernier tour avant de grimper. Oula, c'est quoi qui fait le bruit, là? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que... Enfin, je veux dire, est-ce que c'est dans le jeu ou... Ouais, c'est dans le jeu. C'est pas des gardes qui arrivent sur moi. Des gardes amazoniens. Encore une fois, je sais pas si je suis dans la forêt amazonienne, je sais plus s'il a précisé Drake. Faudrait que je revoie les premiers épisodes. Toc. Et du coup. Ok, je vais aller par là. Ah, là aussi je pouvais grimper, si ça se trouve il y a un trésor de l'autre côté, mais je sais pas par où passer. Est-ce que je tente mon coup? Est-ce que je redescends pour voir s'il n'y a pas une possibilité de grimper? Genre je pars d'ici, je fais un méga saut. Ou alors d'ici, je fais un méga saut là. Ouais non, il n'y a pas de moyen de s'accrocher. Mais j'ai vraiment l'impression que ce sont des plateformes sur lesquelles on peut aller. Il y a très certainement un trésor qui est caché par là. Mais j'ai pas trouvé l'endroit par lequel il faut grimper. Donc on va s'en tenir à là. De toute façon, je l'ai précisé bien avant. Je ne fais pas les trésors du jeu. Enfin, j'en ramasserai que ceux que je trouverai sur mon chemin. Je serai sûr de... Ah tiens, il y en a un ici d'ailleurs. Je crois. Ouais. Et une bague en or complexe. Le deuxième anneau de Sauron. Qu'est-ce qu'on a là? On a des munitions de flingue, ça peut toujours servir. Et on grimpe par où? Ouais, mais c'est pas très précis tout ça, ça fait un peu fouilla. Ah, faut sauter par là-bas? Non, il doit y avoir un autre truc, non? Bah non, je pense pas. Hein. Ok, bon, bah on va sauter là-bas. C'est le seul endroit où on peut aller. Des grenades. Ah, on a max, j'avais pas vu. Je croyais qu'on en avait que 3 sur 4. On peut en contenir que 4. Et c'est pas un jeu qui propose. Waouh! Comment il me voit et par où il me tire? Bon, peu importe. C'est pas un jeu qui propose une progression de l'arsenal et de l'inventaire. Du coup, on n'améliorera pas notre capacité de munitions ou ce genre de choses ou nos armes. C'est vraiment. Un TPS de base. C'est en fait c'est un peu un Call of Duty à la troisième personne hein, finalement. Si ce n'est que. Oh non. Si ce n'est que c'est plus sous forme de mission et que c'est plus scénarisé. Enfin, Call of Duty c'est déjà très scénarisé, mais je veux dire ça se rapproche énormément plus de films que Call of Duty. Là, attaque. Est-ce qu'il peut m'atteindre là? Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va s'approcher un peu. Ça sera plus protégé, mais j'aurai aussi plus de visibilité. Attendez, là je peux l'avoir. J'essaie de viser ta tête, mais c'est pas évident. Ouais, c'est bon. Et lui? Ah, je l'ai pas vu en headshot là. Lui, oui. Et pourtant, j'ai visé plus bas. Y'a pas de logique, y'a pas de logique dans les jeux vidéo de toute façon. Quoi qu'il y a. Des munitions. Ah, ça va me faire mon stock ça. Mais non, pourquoi il voulait pas que je prenne la grenade tout à l'heure? J'en ai que 3 sur 4, c'est ce qui me semblait. Attendez, je vais aller voir. Ah, c'est peut-être des munitions de flingue qui me proposait pas, ouais. Ok, bon, c'est bon. Je préfère avoir tout au max. On sait jamais. Ça pourrait servir par la suite. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais bon. Ça pourrait vite devenir très dangereux. Wow. J'ai dû mourir bien une quinzaine de fois la première fois que j'ai fait le jeu, en normal en plus. Bon, c'est vrai que je le découvrais, du coup je savais pas de quelle manière il fallait prendre des précautions. Et des fois on est surpris par certaines phases de gunfight qui commencent tout doucement et qui s'accélèrent avec de plus en plus d'ennemis qui arrivent. Donc c'est vrai qu'on peut être surpris par ce genre de choses. Ah, j'ai vu un truc briller, il y a peut-être un trésor là-bas. Juste ici, vous voyez. Là-bas, est-ce qu'on s'y sent? Oh. C'est ce que je vous disais, le fusil à pompe. Là, je prends pas le temps de tirer à la tête, faut absolument que je le stun. Hop là. Toi, tu vas rester ici. Oui, je l'ai eu en headshot. Bon, ben on se débrouille pas trop mal. Est-ce qu'on peut grimper sur ça pour récupérer le machin? Machin bizarre. Oui, je crois que je vois des trucs. Quoi d'autre? Des munitions par là? Ah ouais, mais je veux pas de fusil à pompe, moi. En plus, il n'y a pas beaucoup de munitions. Il n'y en a que 6. Ouais, c'est pas mal.
De toute façon, je suis obligé de grimper parce que là, il n'y a pas grand-chose de plus à explorer hein, à ce niveau-là. Et ouais. Ok. Voilà, il y a un accrochement ici. Voilà, parce que c'est juste pour le trésor que j'ai vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il fallait aller là-bas. D'ailleurs, bague à motif en argent. Ok, super. D'ailleurs, je pense que là, c'est le retour en arrière. Hein. C'est, ouais, c'est la zone d'avant. Et on continue par là. Alors, est-ce qu'il faut grimper par là? Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. Ouais. Du coup, on va sauter vers là-bas, j'imagine. Ça paraît loin quand même. Oh, ça passe. Ah oui, d'accord, il s'accroche même partout lui. Est-ce qu'il faut que je remonte encore plus haut par là? Non, il y a rien de ce côté-là. Ah, tiens, il y a encore des sommets à explorer. Je suis sûr qu'il y a des trésors par là-bas. Je sais pas trop comment y accéder. Non, bon. On va poursuivre par là. Ah oui, il y avait une pierre, c'est pour ça qu'on pouvait pas progresser plus loin. D'ailleurs, je sais pas d'où ils sortent les ennemis, parce qu'ils sont là, mais... en gros, ils sont confinés dans cet espace. Hein. Ils ont pas prévu, en fait, de s'évader ou d'explorer les lieux. Ils sont là juste pour m'attendre et pour mourir sous mes balles. Ouais. C'est un peu idiot, mais bon. À moins qu'il soit aussi agile que moi, mais... Oh, mince! J'aurais pu faire le discret. Il m'avait pas vu. Oh, super. Tous mes balles sont rentrées, c'est bon, c'est pas mal, ça. Je commence à m'y faire au jeu. En vidéo, je veux dire, parce que... C'est vrai que j'ai déjà fait une campagne. Oh. Captain, j'étais plutôt doué. Mais c'est vrai qu'en vidéo, c'est jamais la même chose. Hein. Quand on commence en... Quand on commente en live, faut réfléchir à ce qu'on dit pour pas dire de la merde. Mais encore ça, c'est pas évidé. Mais... Oh. J'ai eu un headshot l'autre ou quoi, on dirait. Je crois qu'il y avait un troisième ennemi, mais il est encore caché derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là? Oh, je me rappelle de cette séquence, je crois. Ou je sais plus, non. C'est peut-être pas ici. En tout cas, il y en a une qui est assez compliquée. Tiens, un autre trésor. J'ai bien fait d'y aller. Jaguar en or. Ah oui, ça ressemble à un jaguar. Fait même plus peur que mon chat. Là on peut pas grimper. Peut-être par là. De toute façon il s'accroche à tout alors on sait jamais. Non, faut pas rêver non plus. Et là? Non plus. Bon j'essaie, hein. Je fais des tentatives, je connais pas tout le jeu par cœur. Par contre là je crois qu'il y a une... Ah non, j'allais dire il y a une liane à attraper mais... Ok, c'est le fusil à pompe, on va le garder pour plus tard. Ça peut. Ah ouais. Il s'est passé quoi là en fait? Quoi, c'est une croix en fait. Faite avec des fusils et une tête de mort. Ah ouais, je me rappelle de ce petit passage, il est sympa. On va devoir sauter de plateforme en plateforme en essayant de pas tomber dans le courant parce que j'imagine que impossible de nager avec la vitesse du courant. Oui, c'est tout droit. Tiens, il est agile. Et il a de la force dans les bras aussi parce que. Ouais, tout droit. Comme je vous l'avais dit, à part pour les chemins un peu secrets qui proposent des trésors, wow, il n'y a pas forcément beaucoup d'itinéraires possibles. Tiens. Ça va lui faire mal. Vu que la K-47 elle a pas mal de recul, on va s'en tenir au... C'était quoi? C'est le M9 celui-là, ce flingue? Enfin, au petit flingue. Plutôt que du coup qu'au fusil d'assaut parce que on avait quand même une meilleure précision, on a moins de recul. Et vu que un headshot avec n'importe quelle arme ça passe en one shot, même avec les flingues, bah, autant profiter si j'arrive à les rentrer. Ça me prend autant de temps que les tuer avec les fusils d'assaut. Bon super. Ah oui d'accord. On va redescendre par là. Non, là c'est... Wow. Tu nous fais quoi Nathan là? Vous voulez nous prouver qui était le meilleur sauteur en longueur? Ah, t'as bien merdé en tout cas. Allez, hop là. Ok, bon.
C'est pas mieux, hein. Qu'est-ce qui lui prend là? Il fait que de la merde, le pauvre. Bon, c'est moi qui contrôle, hein, mais bon. Eh, mais là encore, il a failli se glander en beauté. Et là, vous êtes d'accord, il faut que je saute, faut pas que je chaille juste à droite. Ah non, si je saute, ah bah si. Qu'est-ce qu'ils veulent me... Attendez. Je peux pas tirer avec ça. Si, je peux tirer, mais pour l'instant, j'ai pas une bonne visibilité. Attendez, on va tirer sur le machin. Bingo. Wow. Oui, bien joué. Vite, 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 vite. Allez. Wow. On l'a eu de justesse. Alors, je sais pas si c'est scripté, ça aussi. Si dès que je quitte la voiture, elle tombe dans le vide. Ou alors, s'il fallait que je respecte le timing. Enfin, qu'il fallait que je passe avant que la voiture tombe dans le vide. Je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Là-bas en haut. Ah bah ça va, je peux nager hein, quand même. Par contre là j'arrive pas à remonter sur le truc. Si c'est bon. On va éviter de tomber quand même. Là votre avis, est-ce que c'est escaladé ça aussi? Oh non, c'est là où on vient. Ça serait retourner en arrière. Et je ne recule jamais. Ah, on a pied. Ouais, c'est pas pour autant qu'il y a des trésors. Il y a un mec là qui est mal en point. Ah, ça y est, il est tombé dans l'eau. Par contre, je disais que c'était coloré, mais c'est du vert partout. Hein. Là, vous pouvez pas espérer autre chose. On est bien dans la forêt, il n'y a pas de doute. Il me semble que chacun des Uncharted. Enfin, j'avais joué qu'au premier du coup. Mais se précise sur un territoire particulier, genre le premier c'est vraiment de la forêt, de la forêt, de la forêt. Et le second c'est plus, alors je sais pas si c'est l'Himalaya, mais des hautes montagnes de la chaîne de l'Himalaya. Ou peut-être pas, hein, ça se trouve c'est d'autres montagnes. Je pense à l'Himalaya parce que ce sont les montagnes les plus hautes du monde. Mais et du coup c'est plus spectaculaire. Et enfin voilà, réception, un carré, un argent, super. Et je dis ça pourquoi? Oui, parce que il me semble que le deuxième jeu se concentre vachement plus sur des paysages montagnards. Et le troisième, quant à lui, c'est plus dans le désert. Alors je sais pas si c'est un stéréotype par rapport. Oh là là là. Enfin, je remonte sur Tron, qui est un peu un. Qui s'est un peu incliné là. Durant mon passage. Non, c'est bon, ça passe. C'est pas effondré. Ah, je peux grimper par là. Attendez, il y a peut-être un passage là-bas. Ah ben non, il veut même pas grimper sur le rocher. Il fait à peine 2 mètres de haut, mais enfin, même pas. Bon, il y avait rien à explorer de toute manière. Ah, des fois, ils nous font croire des trucs. Et là, tu peux pas travailler la hyène, c'est trop haut pour toi. Ah, moi, je suis sûr que je la traverserai. Bon, je serais pas sûr de monter avec, mais. Oh, l'avion! Non, c'est quoi? C'est l'avion, ouais. Défoncer l'avion. Oh la vache. Non, non, c'est une carcasse d'avion. C'est pas la vache. Une vache aérienne. D'accord, ok, du coup, j'espère qu'ils ont pas pris la carte dedans. Bon, si c'est pas des chasseurs de trésors. Bon, après, je sais pas ce qu'ils feraient dans cette forêt si ça en sont pas, mais. Si ça en est pas, normalement, ils devraient pas me l'avoir prise. Ouais. Est-ce qu'on peut être discret? Est-ce qu'on peut être discret en tuer plein de coups? Oh oui! La grenade, ça pourrait être cool. J'envoie la grenade, ça tue plein de monde. Oh, ça tue personne. Il va falloir que je fasse bien gaffe à moi. Wow, ils peuvent détruire les... ils peuvent détruire les endroits pour que je me protège avec leur grenade. Donc faut que je fasse gaffe. Je crois que celui-là, il est indestructible. Ouais, c'est un gros caillou. Mais ceux-là, là, avec les petits rochers comme construits, j'ai pas l'impression qu'ils soient improvisés, limite. J'ai pas l'impression qu'ils soient très résistants. Ah ouais. Je lui ai fait dévier la grenade et du coup, ça m'a bien aidé. Je crois que ça en a tué un, lui et son pote. Oh, c'est une bonne chose. Je crois que c'était cet endroit-là auquel je pensais tout à l'heure. Un endroit assez pas compliqué, mais je crois que j'étais mort une ou deux fois ici. On va essayer de pas faire les mêmes erreurs. On va y aller progressivement et tranquillement. Mais, oula, je suis déjà dans le gris. Enfin, pas quand même, mais bon, on va essayer de restaurer la santé avant d'y repartir. C'est bon,
La couleur est revenue. Bon là, j'avance pas, hein. Faudrait peut-être que je m'avance pour aspirer à progresser dans le gunfight. Tiens, il y a du monde là-bas. Oh, c'est bon. Et il y a là. Oh, headshot, tant mieux. On avait vite de gaspiller des balles. Attendez, il y a un truc pour grimper là, non? Bon, non, même pas. J'y croyais encore. Bah, voilà, à mon avis, ça va être du même côté. Wow! Il était pas mal ce petit enchaînement. Bon, je sais qu'il y a un tonneau là, je le saurai par la suite. Si jamais il s'approche trop près de moi, je continue à utiliser le flingue, hein, même si je suis à courte distance. C'est vrai que je préfère préserver mes munitions d'AK-47. Par contre, là, ça peut être pratique pour défoncer un mec officiellement assez rapidement. Ah, mais ça y est! Craint. Ok, bon, en général, s'il me propose des indices, comme là, pour m'indiquer un endroit, me le montrer, quoi. C'est souvent lorsque j'ai fini ma séance de gunfight, donc elle n'était pas si terrible que ça. Je sais pas comment j'ai pu mourir, hein, normal. Hein. Peut-être que j'étais dans une autre difficulté, je trouve ça bizarre. C'était pas si compliqué que ça. T'as l'aile qui est en train de brûler là. Elle est où la corde? Elle est là, la corde. Ça va me permettre de remonter dans l'avion. Et si de toute façon la carte n'est pas là, Drake ferait bien de fouiller les cadavres. D'ailleurs, ce jeu, j'étais surpris parce que même. Alors, je sais pas s'ils utilisent les mêmes codes pour la PS, que pour la PS3, que pour le jeu PS3, ou s'ils l'ont amélioré avec la PS4. Mais j'étais impressionné par les cadavres qui restent très très longtemps sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, ils sont encore là, les deux là. Alors je sais pas s'ils sont tous ou si certains ont disparu. Mais en tout cas, c'est bien joué quand même de les laisser là. Non, vous voyez, il y en a trois autres là-bas. Enfin bref, c'est plutôt un quatrième même. Mais c'est plutôt bien géré quand même. Hop là, signal. Ok. Elena. Bon, on va quitter l'avion. C'est parti. Du coup, on a la carte, mais on n'a pas la fille. Mais au moins, on sait où elle est. On avance, c'est bien. D'ailleurs, je sais pas comment on a trouvé l'avion. On l'a trouvé comme ça ou pas? Oula, ça continue. Ah, ils arrivent de par derrière. Est-ce qu'il faut que je... Et comment je fais là pour passer de ce côté? Alors, c'était peut-être cette section du gunfight qui était la plus compliquée et qui m'a fait mourir plusieurs fois. Je sais pas. Hop là, on va. Pour se protéger. Par contre, là, je suis derrière une palissade pas très solide et je me fais même tirer derrière elle. Oula. Si je prends encore un coup, est-ce que je meurs? Je sais pas. Si j'en prends un autre, en tout cas, je dégage. Je prends le flingue. Le fusil, je veux dire. Ah, lui. C'était bien. Le headshot qui fait plaisir. Ok, bon, c'est quand ça va me dé... Parce que là, je vois pas d'autre endroit et il me semble que c'était par là qu'il fallait que je passe. Wow, mais il y a encore un ennemi. C'est peut-être ça qu'il faut que je finisse, que je le tue d'abord en entier. Ah, mais il y en a deux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Ça va lui faire mal. Ok, cool. Il y a des munitions par là. Je crois que tous les ennemis drop des armes. Je veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'il y en a pas un seul qui en laisse pas d'armes. Le fusil à pompe, faut que je tue. Oh, j'ai chaud. J'ai eu très très chaud, oui. Et ça continue, il y a encore plus d'ennemis. C'est pas possible, mais ils en viennent de partout. Je crois que ouais, c'est vraiment cette section qui est très compliquée. Quoique là, si j'enchaîne les headshots comme ça, ça peut que bien se passer. Bon, ça a l'air d'aller. J'ai pas très envie de le recommencer en extrême, ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Faudrait quand même que je teste les grosses difficultés, ça serait intéressant. Est-ce que si je balance une grenade, ça va? Alors, oui. Oh, d'accord. Wow! Il est là! Ah, c'est bon. Wow, non, c'est un fusil à pompe, c'est pas bon. Vite, recharge. Deux fusils à pompe. Mince. Bon, là, on y va à l'arrache. Hein. On peut même faire rejuger, mais c'est le bordel. On perd au taquet de munitions en fait. Moss, non.
Non, je voulais pas le... Oh, tiens, le fusil à pompe, ça pourrait changer pour vous. Allez, je vous propose ça, une petite séance de fusil à pompe, enfin, dès qu'on trouvera des ennemis, parce que pour l'instant, on a fait une grosse séquence de combat, je... Oh, oh. Attention, je mets les pieds. Cure-dent en or. Voilà, ça peut servir. Ouais, on va éviter de tomber dans des satanés pièges, parce que ça n'a pas l'air super accueillant. Ok, on va passer par la droite, là, par exemple, on va éviter de... Vous voyez qu'il y a un fil au sol, ou je sais pas si c'est un fil ou ce genre de choses, mais vaut mieux que ce soit... Elena. Que ce soit lui que moi, hein. Heureusement que, ce soit, que lui m'a expérimenté de pièges avant moi. J'aurais préféré ne pas crever comme ça. Alors, voyons comment on fait. Ah oui, non, 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 c'était pas la bonne touche. Là, c'est moi, là, j'assume mes erreurs, mais tout à l'heure, c'était pas moi quand même, quand je suis tombé deux fois. Bon, ok. Je pense que le trésor est récupéré, oui. Bon, on avait des trésors sans sauvegarder lorsqu'ils sont récupérés. Bon, on va pas récupérer les munitions, on va pas prendre de. Oui, bon, d'accord. Alors, est-ce que vous pensez que je peux sauter d'un coup comme ça là? Allez. Il nous a fait une démonstration de saut en longueur tout à l'heure, alors on y croit, c'est bon, ça passe. Petite séance de plateforme sur les rebords de la falaise. Et des fois il prend pas la bonne direction hein. Des fois j'ai l'impression d'aller dans un sens avec mon joystick et Drake va s'éloigner un peu de là où j'ai envie de l'emmener. Donc c'est vrai que c'est pas très précis comme ça. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis pas précis ou le jeu, mais si c'est pas précis, ça peut m'emmener effectivement vers la mort. Bon allez, deuxième gunfight. Ouh, je vais crever. Si je me mets pas à couvert, vite. Il est là. Sortez. Oh là là, il y a un genre de lance-roquette ou je sais pas quoi. Oh là, il me tire dessus, il détruit mon mur. Et le mur d'en face est détruit déjà. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Le mur d'en face est détruit. Vite. Allez, hop là, on avance. Alors, cette barrière semble plus... Enfin, barrière. Cette protection semble meilleure que l'autre. Elle va tenir plus la route face à ces tirs incessants. Attendez, j'ai vu qu'il y avait des tonneaux. Bon, ça a tué personne. Hein. Je croyais que le feu avait une meilleure portée que ça. Par contre, le headshot, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti. Merci à eux. Oh là 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 là. Il s'est visé, cet enfoiré. Voilà. Alors j'espère que j'ai... Oula, vous avez vu le piège, on va pas tomber dedans, on va passer de l'autre côté de l'arbre. Vous avez vu, il y a un truc, je suis sûr que si on passe sur le fil, ça m'empale direct. Oh, ça continue, la musique s'est pas arrêtée. Oh, j'ai eu la chance de faire deux headshots. Oh, j'ai eu la chance de pas tomber dans ce piège aussi, hein, parce que je l'avais pas vu. Bon, j'étais pas dessus encore, mais bon, tant que j'arrive, peut-être que j'aurais pas encore vu. Bon, il se montre lui ou pas? Histoire que je le défonce. Oh là, super. AK-47, ça va peut-être m'être plus utile hein, finalement. On n'est pas si bien avec un fusil à pompe. Voilà, une petite grenade. Bon, ça tue personne. Oui, double shot. Tant que ça peut m'économiser des balles. Ok, bon, est-ce qu'on peut faire... Waouh, il y a encore un piège, faut que je fasse gaffe. Ce qu'on peut faire, c'est grimper sur le machin pour récupérer le lance-grenade. Je sais plus s'il est efficace en fait. Ok, Drake dit que ça pourrait être utile. D'autant plus qu'on est en hauteur, on a une bonne visibilité. Oui, one shot évidemment, bon, on s'y attendait. C'est un lance-grenade, hein, les grenades one shot déjà, donc... que je tire bien au bon endroit. Ok, ça détruit les palissades par contre. Ça détruit mes endroits pour me cacher. Ceux des amis aussi, mais bon, c'est vrai que eux, j'arrive à les dégommer, mais eux, ils s'en sortent mieux quand j'en ai pas. Allez, hop là. Le pauvre, j'ai fait espérer, il avait cru qu'il allait vivre. Bon, il y a plein de pièges. On va éviter de tomber dedans. On a une munition seulement restante du... Bon, on va le garder quand même. Mince. Ils ont bien utilisé pas mal d'ennemis quand même. Hein. Ils ont
des têtes différentes, c'est bien. Ça fait, on n'a pas l'impression qu'on affronte le même ennemi à chaque fois. Après, c'est vrai que ils se ressemblent plus ou moins. Hein, genre les fusils à pompe, c'est tous les mêmes. Alors comment je fais pour passer là? Il y a un fil ici. On va dire que si je l'ai, ouais, ça passe. Et c'est tout. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de trésor à récupérer parce que là, ça va être un peu galère entre tous ces pièges. Et là, il y a un dernier piège qu'on évite. Ok, on est passé. On a fait le gunfight, on est passé. Et on arrive vers le genre de rempart. La tour où il y avait le parachute d'Elena. Et un sublime coucher de soleil. Coucher de soleil, je pense. Ouais. Ça veut dire que si le soleil est ici. Alors, laissez-moi réfléchir. Ça veut dire que là, on est en plein ouest. Ouest. Est, et logiquement le nord est par là. Voilà, on va vers le sud. Ah là, j'ai quelques restes d'aventuriers dans mes veines. Ok, bon. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Donc, chapitre 5, la forteresse. Ça sera pour l'épisode suivant, vous en doutiez. Hein, on arrive à 37 minutes de la vidéo, on va pas s'éterniser. Et c'est plutôt condensé, encore une fois. On a fait deux gunfights assez tendus. C'est en max, et là on va affronter une forteresse entière. Ouais, bon, ça sera pour l'épisode suivant. Ok. Bon, c'est vrai que la forêt est pas si jolie que ça, hein. Mais bon. Enfin, surtout la texture de certaines feuilles, genre là-bas, c'est un peu moche, un peu plat. Là, c'est bizarre. Oh, on a loupé un trésor, là, je vois. Il est juste ici. Alors, est-ce qu'on peut y accéder? Bon. On le voit ici, mais c'est pas dit que... Ouh là, ça m'étonnerait qu'on y aille de cette manière-là. Et là, en longeant les murs, ouais, non, ça me paraît un peu improbable. J'ai juste dû le louper quand je suis arrivé ici. On va pas faire machine arrière pour récupérer. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Hein. Vous savez en tout cas qu'il est là. En gros, c'est quand vous arrivez de l'autre côté, juste avant que je commence le gros gunfight dans toute la forêt, là, avec le lance-grenade qui est ici. À mon avis, il faut juste aller en bas et vous le trouverez. Pour ceux qui le cherchent, tout simplement. Ceux qui jouent au jeu en même temps que moi, ou ceux qui ont envie d'y rejouer et de trouver les trésors. Mais bon, c'est pas moi qui suis la meilleure aide du net. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, un dislike dans le cas contraire avec un petit commentaire explicatif. C'est toujours mieux qu'un dislike sans commentaire. Enfin, moi, ce que j'en dis. Et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre les aventures de Nathan Drake, qu'à me préciser le 1080 pixels avec les 60... Non, j'aimerais bien, mais bon. Les 30 images par seconde ou le 720 pixels avec les 60 images par seconde, c'est important. C'est important. J'ai envie de vous laisser le choix, hein, j'ai pas envie de vous imposer un quelconque format. C'est pour ça. Choisissez, vous avez le droit, vous avez la possibilité de le faire, ça sera pas toujours le cas, donc faites-le. Et c'est juste un petit commentaire, me laissez, hein, ça suffit. Quoi d'autre à dire, hein? Bon, rien. Hein. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4 de Uncharted qui partira la semaine suivante. Normalement, celui-là, il est vendredi si je respecte mon timing. Et ce week-end, il risque d'avoir des trucs un peu particuliers sur ma chaîne. Vous le verrez bien. Pas de spoil. Allez, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ciao tout le monde. Merci pour tout. Bye. C'est bien trop vulgaire. Non, je pense que ça lui fera un peu. Voilà. Oh, 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 oh. Allez, Roman. Il a rien à voir. Salut! Salut!